Bienvenue dans la suite de ce tutoriel où nous allons apprendre à stacker ces nostas sur Ibex. Tout d'abord, rendez-vous sur la page d'accueil d'Ibex. Sur la ligne Nosta, cliquez sur Deposit. De là, une nouvelle fenêtre va apparaître. Patientez le temps que l'adresse de dépôt apparaisse et copiez-la en cliquant sur la petite icône à droite de l'adresse. Une fois cela fait, déverrouillez votre wallet possédant vos Nosta. Cliquez sur Envoyer et collez l'adresse de dépôt préalablement copiée. Attention à bien être vigilant. Dans les actifs à envoyer, il faut impérativement sélectionner des Nosta 2.1. Dans le cas contraire, s'il s'agit d'un Nosta V1 ou V2, ils seront perdus. Nous vous préconisons donc, pour le test, de faire un premier essai avec un Nosta. Confirmez votre transaction et patientez que le Nosta apparaisse sur Ibex. S'il apparaît, c'est que la procédure a réussi. Rendez-vous donc sur l'onglet Stacking et cliquez sur le bouton Stake. Saisissez le montant désiré ou cliquez sur Max puis Stack. Comme dans la vidéo précédente, vous allez devoir confirmer votre choix en rentrant à nouveau un code 2FA. Et voilà, félicitations, vos Nosta sont maintenant en stacking. Lors de l'enregistrement de cette vidéo, le bouton Claim n'était pas encore disponible. Il l'est maintenant et vous pouvez le trouver à droite de Unstake. Cliquez dessus pour récupérer vos rewards à tout moment. Pour envoyer vos rewards vers votre wallet, rendez-vous donc sur l'accueil. Cliquez sur l'icône utilisateur et My Wallet, puis Add. Sélectionnez le wallet voulu si vous en possédez plusieurs. Il vous sera demandé de signer une transaction. Retournez sur la page Home et sur la ligne BUSD, cliquez sur Withdraw et sélectionnez votre wallet. Saisissez le montant que vous voulez retirer. Puis valider en cliquant sur Withdraw. Enfin, rentrez à nouveau votre code 2FA qui s'affiche sur votre Google Authenticator. Il n'y a plus rien à faire, patientez juste le temps que la blockchain valide votre transaction.